Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et cette fois on est en extérieur avec une petite ouverture d'un coffret de 6 boosters Pokémon épée et bouclier, ce fameux coffret. Alors vu le confinement, j'ai décidé de faire cette ouverture en extérieur dans les bois tout simplement. Je me suis dit peut-être que ça va me porter chance, c'est un peu plus original et puis je trouve ça un peu plus sympa d'être dans la nature. Donc les amis, je vais ouvrir ce coffret 6 boosters en espérant être un peu plus chanceux que la dernière ouverture qui s'est soldée par un petit échec. Il n'y a pas eu grand chose d'intéressant dedans. Là on va voir. Bon, après comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, ces coffrets 6 boosters, c'est quand même des coffrets qui sont pas très 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 chers, que vous pouvez trouver simplement pour le prix de 20-25 euros dans les commerces. Donc c'est quand même pas mal, c'est vraiment pas cher du tout. Et surtout vous avez 6 boosters, ça vous fait à peu près 3 euros, un peu plus de 3 euros par booster. Voilà, hop, je vais mettre le plastique de côté, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 6 boosters, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Épée et bouclier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boosters épée et bouclier. Je vais peut-être les poser comme ça. Alors ça va être compliqué de faire tenir les choses, mais on va peut-être poser les cartes comme ça, ouvrir les boosters comme ça va être sympa. Allez, je pose les boosters, hop, et on va ouvrir le premier booster de ce coffret. Allez, c'est parti les amis. Un peu de verdure, les oiseaux qui chantent, c'est super sympa. Un peu de fraîcheur. Alors, hop, c'est parti. Et on va commencer par la carte code du JCC Online. Hop, LVB, je vous laisse découvrir cette carte. Elle est ici. Et puis on va découvrir les cartes. Alors a priori c'est que de l'épée et bouclier. Donc la première édition, EB01. Et donc vous avez le logo en bas à gauche. Allez, c'est parti, Flambino. Donc les communes en premier. Pikachu. Froid, je sais pas si on voit bien à l'écran, j'espère. Mon mouton, c'est sympa, on voit des arbres derrière. Je suis dans une forêt tout simplement. Coquillasse, au plus proche de la nature. Recherche d'énergie. Spire de la Timiel, c'est des peu communes. Et en peu commune, la dernière, c'est Arrosar. Je vais faire attention, sinon tout va ensuite. Énergie combat, je voudrais pas que tout tombe. Peut-être essayer de maintenir mieux que ça. Alors l'énergie combat, et ensuite j'ai en reverse bandeau vitalité, c'est une peu commune reverse. Et ensuite la rare, hop, c'est parti. Ouh, Ronflex V, ah bah ça commence très très fort. Premier booster les amis, et c'est une carte Ronflex V, une ultra rare. Ah bah c'est cool. Alors là ça commence très très bien cette petite ouverture en forêt, vraiment. Premier booster et Ronflex V, j'ai déjà plus que dans le dernier coffret que j'ai ouvert, où je n'avais rien du tout. Je crois que j'ai eu 2 cartes rares reverse, c'est tout. Bon, c'est pas grave. Là, je continue. On attaque le deuxième booster, les amis. La carte code, je vais la mettre de côté, parce que je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Tout à la fin, tout simplement. Et puis on va aller découvrir les cartes. C'est parti les amis. En premier j'ai Taupiqueur, Rapion. Ce sont les communes hein. En premier, Oot. Flambino, Pikachu. Ah ben on retombe sur des... J'avais un peu ça dans la dernière boîte, de taper les mêmes cartes, deux boosters de suite. Ah, peu commune à Rosar. Canne ordinaire, c'est de venir droite éventuellement. Travis, en peu commune. Et après on arrive à l'énergie. Hop. Et j'arrive. Ouh, Malamandre, c'est une peu commune reverse. Ok, et en rage. Tac. Ouh, Pyrobut. Eh ben c'est une holographique rare. Ah, c'est cool. Là, en deux boosters, j'ai déjà eu une carte ultra rare et une carte holographique rare, les amis. Ça commence très 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 fort. Là, je peux dire que je suis plutôt gâté. Oula, j'ai le caméscope qui bouge. Je vais essayer de le redresser. Parce que ça va être compliqué. Ah bah, en forêt, de toute façon, c'est les aléas les aléas du direct, là. Hein. Je vous dis tout de suite. Je suis positionné un peu comme j'ai pu. Parce que c'est pas facile de faire quelque chose comme ça. Hop. Alors, je vais ouvrir le troisième booster.
je laisserai peut-être que les cartes qui ont de valeur, sinon j'ai l'impression que tout va tomber un peu. Hop. Voilà, alors la carte code les amis en premier, et puis on va découvrir les cartes de ce troisième booster. Alors moi j'aime bien ces coffrets 6 boosters parce qu'ils sont vraiment sympas. Il y a quand même des cartes magnifiques dedans pour pas très cher. Statitik en premier, ensuite Dunaja, Larvadar, Poissyred, Voltoutou. Allez, les peu communes, Motocyclette, Grande Amulette. Et la dernière, Poisson Roi. Ça permet quand même de compléter la collection avec autant de cartes différentes. Ensuite, on a la carte Énergie électrique. Et en reverse, oh, Énergie Boréale. Oh, c'est super ça. C'est une peu commune reverse. Elle est magnifique. Et en rare, j'ai hop, Drascor, c'est une rare classique. Voilà, alors pour l'instant, je suis plutôt content parce que j'ai quand même eu une holographique rare. J'ai eu Ronflex V et puis j'ai eu cette Énergie Boréale reverse. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Et en 3 boosters, les amis. Donc il me reste encore 3 boosters à ouvrir. Je sais pas si vous entendez des petits criquets qui sont autour de moi. Allez, c'est parti. Le code de la carte à jouer pour le JCC Online. Hop, je vais mettre de côté. Et je vais ouvrir ce quatrième booster, les amis. Allez, c'est parti. On a Whistempo, Thiboudet, Houtout, Vatapic, Goupix. Oh. Et ensuite les plus communes, Megavolt. Megavolt, c'est cool. Ballon. Qu'est-ce que je vais avoir? La troisième, Poké Enfant. Ok, ok, ok. Et ensuite, l'énergie plante. Ok. En reverse, Super Ball. Ah bah c'est encore une peu commune reverse. C'est cool, c'est cool. Ça fait plusieurs peu communes reverse. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai en dernier, en rare, Raichu. C'est une rare classique. Bon, bah, dans ce booster, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant, mais c'est pas grave, parce que bon, ça permet de compléter quand même avec une nouvelle peu commune. Le booster, je vais le laisser là. Et puis, il me reste donc 2 boosters à ouvrir dans ce petit coffret. 6 boosters, coffret, ouverture en verdure. Voilà. J'utilise pas spécialement de micro, à part le micro du caméscope. Donc, je ne sais pas si on m'entend bien et si on entend... Peut-être surtout les animaux qui sont autour de moi, petite bébête. Allez, le code du JCC Online, la carte à code. Et puis on va les découvrir ensemble. Alors ce fameux coffret 6 boosters, le premier que j'ai ouvert, j'ai eu 5 ultra rares plus Mewtwo en rare reverse, c'était incroyable. Allez, c'est parti, Chinchidou, Lupio, c'est les communes, Cradopo, Miaous de Galar, Flambino, Badaboin, peu commune, assez peu commune. Ensuite, en peu commune, j'ai Attrape Pokémon. Ça, c'est une nouvelle. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et Arrosar. Il me semble qu'Arrosar, je l'ai eu dans le premier booster. Allez, Énergie. Oh! Et en reverse, qu'est-ce que j'ai? Moumouton, c'est une commune reverse. Bon. Rien de spécial, d'intéressant. Et la dernière, c'est une rare Houblonard, une rare classique. Bon, bah, j'ai commencé très fort, les amis, avec le premier booster qui avait Ronflex V. Le deuxième, j'avais Pyrobut, l'holographique rare. Bon, depuis, j'ai eu quelques cartes des peu communes qui peuvent être pas mal quand même, parce que les dresseurs reverse, ils sont aussi intéressants quand même. Hein. Voilà. Allez, le sixième booster, les amis, avec la carte du JCC Online, le code que vous pouvez récupérer. Je donnerai le dernier à la fin de la vidéo. Voilà. Et puis, on va les découvrir ensemble. Les cartes qui sont dans ce dernier booster avec Whistempo, Larméléon,
Rhinocorn, Roselia, Grain dur. Les amis, qu'est-ce que tu vas voir? Allez, une peu commune, œuf chance. Ah, bon, elle me dit rien, cette peu commune. J'en ai ouvert un paquet des boosters pourtant, mais celle-là, elle me dit rien du tout. Bon, c'est cool. Moumouflon, en peu commune. Et Trio Picker, pardon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'énergie plante, ok, classique. Et ensuite, Mouna, c'est une commune reverse. Ok, et en dernière carte, j'ai une rare Farfa Duvet. Alors voilà les amis, c'était cette ouverture de coffret 6 boosters de épée et bouclier. Donc j'ai eu ces deux cartes magnifiques aux deux premières ouvertures de boosters. J'ai eu pas mal de cartes peu communes reverse intéressantes, eu beaucoup de peu communes qui me disaient rien. Donc je pense que l'ouverture est plutôt sympa pour compléter une collection. Pour pas cher compléter le B01 bien sûr. Et maintenant je vous donne le dernier code du JCC Online que vous trouverez ici. Dernier code de cette vidéo, voilà. Et puis, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.